Bonsoir à tous les amis fidèles à la télévision LNTV. Moi content d'être la caille nous l'autre fois encore pour moi porter pour nous 5e et puis dernier sorti journal 709 là pour semaine ça rapidement qui te me présenter nous ensemble point qui a dominé actualité. Des journalistes haïtiens médias en ligne ont perdu la vie dans la boule 12 qui c'est Wilgens Lucien avec Amadi John Wesley qui t'a travaillé pour Radio Écoute FM. Un média en ligne qui basé dans Montréal hier jeudi 6 janvier 2022. Manaville, un troisième journaliste qui t'a accompagné, Olivier Chappé pour lui avec aide griffien. La police n'a tête collée à l'IGP, il veut récupérer quoi journaliste dans une mine sable jeudi vendredi 7 janvier à Bodizé. Cabinet level François réagit sous tiré sa Sénat qui était dans le Parlement demandé pour le regrouper. Et puis Chita ensemble avec le président Cour Cassation pour joindre une solution pour empêcher le pays à tomber dans le gros capitaine 17 février 2022. Cap Ville là, si vous ne faites pas ça, peuple haïtien a gagné pour vivre une situation ni pour j'aime vivre dans la ville. La police nationale d'Haïti rend hommage à 119 policiers qui mourent ou bien qui disparaissent dans le cadre d'exercice de fonction dans la dernière année. Ça a eu jeudi 6 janvier 2022 à côté directeur général PNH, Franz LP. Premier ministre Ariel Henry, parent, a eu proche policier ça a honoré mémoire, même qui tombait en bas balle bandit pendant le temps pour protéger et servir la population. Il n'y a pas un élève progressiste en Haïti, il ne peut pas faire connaître plusieurs écoles publiques en cours privé qui ont écrasé dans le tremblement de terre 14 août 2021 dans le grand site là pour réparer. J'en ai tâté pour mettre lien et puis demander pour l'État prendre toute disposition pour couper le problème d'insécurité à tout le monde qui l'école dans la zone Matissan, Grand Ravine, pour ne citer ça seulement, capable de retourner à l'école, même gens avec l'autre anti-monde. C'est ensemble qu'on s'aille avec un pilote dans un téléspectateur qui pourrait développer et être branché à déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développons un journal là. Des journalistes haïtiens médias en ligne ont perdu la vie dans la boule 12 qui c'est Wilgens Lucien et Amadi John Wesley qui t'a travaillé pour Radio Écoute FM, le média en ligne qui est basé dans Montréal hier jeudi 6 janvier 2022. Dans ma ville, il y a un troisième journaliste qui t'a accompagné, il y a échappé pour lui avec aide rivien. Trois journalistes ont été rendus dans la zone Lamboul 12 dans le cadre d'un reportage avec un chef gang anti-macaque sur la mort inspecteur d'Anna Jerry Toussaint qui t'a assassiné dans la zone Fissor semaine passée. D'après information qui est disponible, c'est un affrontement groupe gang anti-macaque avec un groupe gang Toto, des jeunes journalistes médias en ligne ça ont été assassinés. La police n'a tête collée à qui j'en dépêche. Il veut récupérer quoi journaliste dans un minisable jeudi vendredi 7 janvier à Bodizé. Dans ces circonstances-là, directeur radio Écoute FM, Franky Atis, a condamné Zakasila et puis campé toute émission jusqu'à nouvel ordre. L'autre information, c'est mes téléspectateurs, Global Winch Law Center PA, qui se cabinet Level François prononcé sous divers problèmes pays a fait face à la dayo insécurité généralisée. Dans l'occasion, ça, avocat Level François fait connaître pays a pas gagné l'État parce que kidnapping n'a vin légal depuis quelques temps dans le pays. Pourtant, le gouvernement en place n'a pas jamais fait rien pour résoudre un problème gang qui prend le pays. Demande l'État ça à lever pied pour le cas joindre une plus bonne façon pour résoudre la crise politique pays. Il y a à faire face. On suit plus de détails dans mes collègues de Bartelmi et puis presque une fois. Premièrement, dans la phase kidnapping, les nous garder qui ça qu'a fait chaque semaine dans le pays d'Haïti. Kidnapping, t'as vu sembler un bagage qui légal dans le pays. Si nous prenons exemple, 17 missionnaires, ils sont kidnappés. Yo kembe yo la en bas nan gouvernement pour un paquet de temps. Yo mande 17 millions de dollars américains. Nous pas jamais entendre ça passé. Nous pas jamais entendre ça fait vraiment excepté yo dine que moun sa yo yo talagé pas contre goutte jusqu'à ce que yo retourné dans pays côté sorti aux États-Unis avec au Canada. Côté la presse lui-même pas même au courant
même les journalistes investigateurs, ils pas capable même ba nous un compte rendu de ça qui passé. Le yon bagay comme ça fait dans pays, ça c'est une invitation que pays ça fait, gouvernement ça fait pour t'inviter tout gros bandit à l'étranger venir installer ici dans pays d'Haïti pour prendre marché kidnapping dans main bandit sans avis qui va bon ici. Dans sens ça n'a gardé nous gouvernement ça clair li pas capable qu'on y a leur entrée dans phase la ville en fait qu'a fait dans pays d'Haïti côté cous dans secteur public et transportation publique cous machine qui était 10 gouttes li vin augmenter à 25 gouttes c'est environ 150%. Ti mami diri côté moun yo besoin pour acheter pour manger chaque jour. Sou gade prix non moi li monte à 100%. Sou gade tout bagage sa en pi pa gen aucune augmentation de salaire par rapport avec salaire minimum nan. Ça veut dire pa gen gouvernement son savant ni tout moun fait sa yo vle. Et l'autre bord, avocat Lévèle François réagit sous tiré sa Sénat qui irrité dans le Parlement, lui demandé pour le regrouper et puis chita ensemble avec le président Cour cassation pour jeune solution pour empêcher le pays à tomber dans le gouzin Captain Ni 7 février 2022 qui vini là. Si vous pas fait ça, les haïtiens ne peuvent pas vivre une situation de potko j'aime vivre dans la ville. En suivant plus de détails, Lévèle François, dans le micro, Gadi Bartelmi et puis Prince Blanfort. Combien ça me fait et m'a fait? Elle aime bien. Je fais appel là. Je fais appel avec deux citoyens dans le pays. Yon, c'est président de la Cour de cassation. L'autre là, c'est président du Parlement ou du Sénat. Monsieur Sayo, vous avez une obligation pour vous chiter ensemble pour vous connaître qui est-ce qui prend le côté du pays. Question d'accord, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, accord, fa, diez, accord, ya, ou, le, wa, moi, pas, quoi, nan, bagay, sa, yo. Plus, ou, écarté, ou, de la loi, c'est plus, ou, mette, ou, nan, problème. Pré, constitution, pays, a, dit, qu'il est, si, président, déjà. Li, dit, qu'il est, si, président, déjà. Si, nous, voulons prendre constitution, qui, pas, amendé, nous, compte, qui, laisse, lié. Si, nous, voulons prendre constitution, qui, amendé, nous, compte, qui, laisse, lié. Ah, mais, mandé, pour M. Sayo, font choix. Et il y a quelques jours pour faire ça. Immédiatement pour éviter que nous arrivions dans sa mouè kap vin la 7 février ou bien en moins que 30 jours encore. Si nous ne faisons pas ça, nous gagnons tous ces méchants. M. Sayo, que M. Rélé là, me fait appel avec le président de la Cour de cassation et le président du Parlement. Nous besoin de décider entre nous-mêmes qui est, qui pral. Prend tête pays parce que constitution a mis nos présidents déjà c'est pas monde qui va accord pour le mettre nous les gars là déjà c'est un bagage qui fait par l'opération de la loi par contre je suppose faire ça qu'on est là pour inviter faire ça pour éviter danger ça qui vient sous tête nous la pi mal n'a pas ouais si on pas fait ça n'a pas un bagage pour que jamais qu'on dans le pays d'Haïti monde ça parler d'être président n'a honte comme peuple haïtien pour lever garde monde danger par conséquent messieurs puis gars qui était pays arrivé là s'il vous plaît mandez nous ça. Je ne sais pas si vous avez un téléspectateur. La police nationale d'Haïti rend hommage à 419 policiers qui mourent ou bien qui disparaissent dans le cadre d'exercice fonction dans la dernière année. Sa yo, a hier, jeudi 6 janvier 2022, à côté directeur général PNH à France LB, Premier ministre Ariel Henry, parents et proches policiers, sa yo, honoré mémoire, même qui tombent en bas balbandi pendant que vous avez protégé et servi la population.
Dossier politique, amis téléspectateurs, en pile secteur dans la société civile là, t'es subi en pile zak pour l'année 2021. Malgré ça, yon pas envisagé by vague dans combat ou condition la vie l'année 2022 a doué moment pour définir l'autre perspective. Au contraire, c'est une situation qui vient plus compliquée dans tout domaine. Plusieurs acteurs dans la société civile ont pris la parole pour faire bilan l'année 2021 avec quelques perspectives qu'ils ont gagnées pour l'année 2022. Dans le micro, René Aristen et puis Franz Picard. Plusieurs actes qui passent dans l'année 2021 font un peu le monde dans tout secteur pour l'année ça, pour l'année Madichon. Côté, laissez pas catastrophe naturelle qui détruit la vie compatriote nou yo, c'est coup d'âme bandi qui la cause sans frais accès haïtien nou yo continue couler. Responsable défenseur plus là, pas de jeune mot à qualificatif pour bay année 2021 qui pourtant ta de yon l'année électorale. Ça veut dire yon l'année côté population an, ta de prendre chemin élection pour choisir éli pour mettre en tête l'état. Mais pourtant, c'est membre de la population an qui tombe en baba l'assassin côté même chef l'état pays ya pas t'épanier. L'année 2021, c'est une année ensanglantée. Ça a été quand il s'est coulé, dont le président de la République qui a été assassiné en deux chambres à Kaili. Et plusieurs centaines qui sont morts dans le quartier populaire et qui ont été kidnappés. Et cette année, c'est un haïtien traumatisé par la violence, la crime qui fait tribombant. Et c'est une année toute d'instabilité et de crise politique. Côté trois pouvoirs gradés, donc dysfonctionnels, donc pouvoir exécutif qui est en tête, et administration de l'État en déliquescence, en défaillance, qui n'est pas capable de servir avec citoyens et citoyens. Mais en plus, nous connaissons l'année 2021, qui est une année électorale, c'est une violence politique. Crise politique, là, c'est de Paris, et ça, qui fait perspective l'année 2022, il paraît très sombre en termes d'opportunités. Et là, nous pensons que nous allons aller des discussions politiques, des combats politiques, et crise économique, nous allons continuer pour l'année 2022. Secteur éducation, tu es parmi les secteurs qui sont touchés. Dans la société, a la cause mauvais fonctionnement de l'État, instabilité politique et puis zak insécurité. Yon bon nou jwenn revendication pour essayer yo qui pas jamais satisfait. Yon l'autre bord, yon série l'école qui trouve yo dans territoire gang yo ap dirige yo qui pas fonctionné jouk la journée jodi. Sin de quoi parole responsable Noa, professeur Josué Merilien. En 2021, on était difficile et c'est mal de tout côté. Que je l'ai dit bien, c'est l'école. Et bien plus que c'est l'école. De la part de AGNOR, qui est une institution. Et sur un autre côté, enseignants, citoyens, la consulte, et il y a un peu de difficultés avec eux qui sont comme les terres, cycles, etc. Sur un autre côté, en plus, et après la séparation, et parents, élèves, éducateurs à l'école, qui sont dans la zone rouge, yo. Et toujours, tout est toujours en difficulté. Souvent, tout est Pakistan, souvent, tout est la Sabine, souvent, tout est la CIS, Berlin, qui sont là, et l'école, toutes les écoles qui sont fonctionner. Femmes yo qui c'est plus que moitié dans population hein, souvent fait face à quand pile difficulté surtout dans quatre batailles menées pour doit respecter côté non seulement yo négligé yo dans société haïtienne mais tout dans secteur politique là yo dans défense cap défendre droit femme ça yo dans pays ya qui c'est Pédica Saint-Jean. Souhaité pour l'année 2022, mesdames, yo pas arrêté dans tes souliers, mais plutôt pour yo plus impliqué yo dans tout domaine. Mais surtout, bataille pour changer condition la vie. Nous souhaitons que Anissa, que l'autorité ou responsabilité yo, au plus haut niveau, chef de la police, non, CSPN, non, dans son ensemble, pas besoin de citer, qui gagne la tête
premier ministre là, nous souhaitons que yo apprend ça yo n'était pas seulement que yo ka offrir à population à famille yo c'est à ba nous un minimum de sécurité pour moun suspend moui pas il est pas paquet pour femme suspend faire marcher dans la rue pour tout moun a stressé yo pas ka bien apprendre l'école. Je pense qu'ils sont minimum et là où c'est l'autorité, là c'est chef, là c'est l'État et pas les gens qui t'ont cherché là car ils vous devez me voir, vous êtes bon poste, vous êtes bon job. Je pense que ouvrez ou allez le joindre. Je pense qu'ils sont minimum pour la population, pour la sécurité dans la mesure du possible. Alors dans ce sens, je pense que l'ISER lui-même, mais comme perspective, nous voulons pour nous gagner et une présence constante à travers le pays, pour nous continuer alors, une présence constante, bon côté, femmes qui sont vulnérables, les gens qui n'ont pas de voix pour nous parler, pour nous parler. Et c'est ça que Anessa a fait un jour pour nous, si nous avons ouvert le local, nous, pour nous recevoir plus d'oléances, parce que le local que nous avons gagné, nous avons perdu le lit, c'était provisoirement que nous avons logé, nous, pour nous avoir gagné le local, pas nous, pour nous capables. Pour nous capables de gagner et psychologue et gynécologue, ok, qui est capable et accueillir femmes actives qui sont victimes de violence. C'est une année tête chargée qui allait, une autre année qui rentrait. Pourtant, la difficulté aurait été même. Parce que bien bon dans le commencement, même l'année ça, chef gouvernement Ariel Henry manquait boire de bouche li pendant le talent et où l'indépendance nous hommage dans Gonaïve. Dans le jour qui est arrivé là, un nouveau KEP est à de mettre sous pied pour l'élection organisée. Question tout le monde a posé. Est-ce que c'est avec le Premier ministre Ariel Henry? Il y a une question qui peut avoir une réponse. Des jeunes garçons ont perdu la vie dans la nuit de jeudi 6 janvier 2022 à Namon Lazar, dans la commune de Pétionville. Victimes ont identifié comme Gilles Jean-Bertrand, Aga et Guillaume, des agents supervisés qui affectaient la compagnie sécurité PHS. Jusqu'à présent, aucun lumière pour propreté dans le cadre de ceci-là. Mesdames et spectateurs, nous venons un moment pour nous observer la deuxième pause noire qui était branchée à déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs, mes récentes informations. Porte-parole organisation sociopolitique, nouvelle vision pour l'autre circonscription, Javel Javinson, dit qu'il sentit indigné pour Jean Pia a fait face à problème insécurité qui vient la cause, puis fort côté dans la capitale, la ville, dans les zones non droit. Tant que Matissan, Fontamara, pour ne citer ça seulement, il fait connaître tout, PM Ariel Henry échoué dans la mission pour raison ça, 7 février 2022, c'est pour PM Ariel Henry démissionner pendant le considéré PM actuel là. Pas gain provision légale pour faire révocation, mais ça pas empêché le Sénat révoquer parce que y a pas utile rien dans pouvoir. Porte-parole nous victoire Javel Javinson dans le micro Fredeline Pierre Aga Kevin Perville. Nous même nous prend position ça, c'est pour nous montrer que jodi a DCPJ te dit à clair Ariel Henry impeglé jusqu'au cou dans question assassinat président Jovenel Moïse. Ariel Henry fait la sous oreille, il pas à répondre question la justice. Comme conséquence, il révoqué ministre qui te bal invitation. Juge qui te bal invitation. Ariel Henry pouvait éclairer son monde qui pas croit dans la loi pays, qui pas croit dans la justice pays. Ariel Henry te vient avec une mission bien déterminée. C'était mettre sécurité sur tout territoire national. C'était craser CEP qui là, monter un autre CEP pour te organiser élection en fin d'année. C'était fini reste mandat président Jovenel Moïse là. Et puis baillon la vie meilleur à tout malheureux malheureuse citoyen haïtien qui vivent en dans coude yo pays. Ça veut dire Ariel Henry échoué dans mission. Li pa répond à aucun déshydrata que li même li te promet yo. C'est peut-être ça. Nous même nos victoires.
nous dit 7 février Ariel Henry nous-mêmes nous demandons démission par rapport avec nous-mêmes Moun Matisan jusqu'à présent qui a dormi dans la rue. Nous gardons pour nous. Depuis 7 mois Moun Matisan dans centre sportif de Carrefour, Ariel pas enlevé un petit doigt. Moun Matisan en de marché Fontamara, Ariel pas jamais enlevé un petit doigt. Nous saisis nous ouais. Gon groupe moun qui était qu'on a revendiqué dans la rue, moun sa pour soutien au Ariel Henry qui c'est SDP côté que yo dit yo même y a mené 7 à 0. Dans 7 à 0, la population 3e circonscription pour même baillon gol là dans la dit intérêt nous pas la donne. Et mais peut-être ça nous même nous dit nous prend position nous et ça fait 7 février nous dit à clair nous pas corré personne. L'en considéré président Lambert qui c'est président chambre sénat or jodi a qui c'est moun Jacmel qui pas jamais prend décision légale pour dire qui ça n'a fait à Moun Matisan yo or jodi a y a discuté ni ça qu'a prêté ni ça pas prêté qui ça pas prêté et mais nous même nous dit nous pas corré personne moun Ariel Henry pas gain mandat légal il pas gain provision légale pour le révoquer un monde qui en fonction mais tout jodi a tout si le sénat ça qui là si n'a corré est-ce pour faire plus l'argent ou bien est-ce pour utile pays a et maintenant cadre ça accord Mariot accord Pen accord du millier, accord la rue, nous demandons tout accord pour faire un seul accord pour gagner un président, pour gagner un bon staff qui prend le pays, qui pour diriger, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas descendre plus bas et nous attendons une solution durable, un projet pour tout le monde là-dedans, sans force côté, parce que je dis, tout pays a tourné vers. Organisation sociopolitique en nouvelle vision pour l'autre, circonscription de victoire, fait qu'on ait un problème d'insécurité à paralyser toute activité dans la troisième circonscription, côté plusieurs. L'école dans Grand Ravine Matisan pas qu'à fonctionner depuis janvier 2021. Plusieurs monde qui tape à travail dans factory perdit travail à cause un produit pas qu'à entrer dans capitale là. Pour toute raison ça yo Novika 3 dit fort que l'état prend responsabilité yo pour résoudre un problème insécurité ça pour vie reprendre dans troisième circonscription pour tout monde capable reprendre chemin l'école porte-parole nos victoires Dadi Octave toujours dans micro Fredeline Pierre à Catherine Pierreville. Après plus passé 7 mois depuis un conflit éclaté en dans troisième circonscription Port-au-Prince qui obligeait tout le monde à abandonner caillou et bien yo pour aller prendre humiliation dans marché poisson dans centre sportif Kafoua à camp pile l'autre côté dans zone là. Conflit ça continue à touyer malheureux et malheureuse qui obligé pour une raison ou bien pour l'autre passer en dans Matisan. Dernier cas, c'est quand une jeune fille 31 l'année, Timoun Kafou, Medine Dupuis que nèg exam assassiné en dans Matisan. Après plus passé 7 mois depuis n'a mandé l'état haïtien prend responsabilité dans ça qui a passé en dans Matisan. 7 mois n'a prend balle, 7 mois n'a mouri, 7 mois n'a passé misère, 7 mois n'a souffri. Malheureusement, Ariel gagoté acti équipe incapable cavelio boucher les oreilles yo. Yo fait manger yo. Pour pas wè, pour pas tendre misère, souffrance rel Moun Matisan Fontamara. À Kafou. Jodi a pou nan la ville, nous obligé pran mon Saint-Jude ou bien mon Kajou. Pour pipiti, faut que nous gen 1500 goud pour nous payer moto aller tourner non route poussière. Plusieurs factory ak business obligé fermer porte yo nan Matisan, Kafou ak Fontamara. Factory Kafou yo pa ka fonctionner parce que vous pas jeune matière première, vous pas capable passer Matisan. L'école fermée. Sans pas oublier lycée Jacques Oumé en Grand Ravine qui pourquoi jamais ouvrir porte li pour année académique 2021-2022. Ça n'a fait ti moun sa yo. Si l'école fermée, business fermé, ça veut dire moun Matisan Fontamara à Kafou perdit job yo. Après là moi Jovenel Moïse, Jean Ampil nèg t'a marché Cléonel dans toute radio, dans toute la rue. Nous te pensé c'était délivrance nous qui t'est arrivé. Mais après plus passé 6 mois dans tête pays a Ariel gagoté ak ti équipe incapable yo prouvé que ou pas capable. Ça qui gen là dépassé yo. Yo montré yo pas grand ken volonté ak capacité pour résoudre problème toute qualité pays a ap konnen jounen jodi a. La vie a vin 30 fois piché. Pour acheter un petit sac ciment,
faut gagner 1200 gouttes. Pour acheter un petit sac d'iri 4 mamites, faut gagner 2700 gouttes. Celle ça y arrivé fait, c'est montrer prix Gaza dans cotof l'estomac petit peuple là. L'autre information amis téléspectateurs, paquet pour des paix ordonné libération 34 détenus parmi eux 3 femmes. Wisna Erlus, Josue Gerline et Saint-Jean Chama, jeudi 16 janvier 2022, dans perspective pour lutter contre la détention préventive prolongée et puis réduire de ses souffrances. Après demande nouveau ministre de justice, Maître Dorsey Berto, chef en poursuite à 18 juridictions. Secrétaire général Parti politique Héritage Glenn Dajan fait connaître année 2022 à année côté tout secteur regroupé ensemble pour changement. Développement de l'autre Haïti, de l'autre bord, secrétaire Parti politique a profité rappeler PM Henry pour ne pas débuter sous route pour l'année électorale ça et puis bailler sécurité pour organisation élection 2022. Pressé campé conseil électoral provisoire pour processus élection yo pour l'autre constitution côté tout petit pays à net utile et puis intégré dans la vie politique cela. On suit plus d'états dans micro Nelika Alexis et puis Kevin Perville. Nous constatons qu'il y a 4 départements qui bloqués, c'est Sid, Sides, Nip, Grandens et un bon parti dans l'ouest. Nan point un jour qui passait pour ne pas avoir un frère ou bien un sœur nous cap bien ensemble. Parti politique héritage pas qu'à oublier plusieurs frères nous accès nous qui tombaient non chercher bon gens conditions dans la vie dans l'autre pays. Yon l'autre bon gouvernement pas hésiter montrer prix gaz là qui c'est un produit transversal côté yon population qui lague deux bois pendier course machine nan augmenté pi red pendant autorité ont dit prix course après les même gens. En plus de ça goud la pas suspendre prend pas ta soel dans mes dollars. Journée 7 janvier 2022, c'est à qui on lit de l'amour, la paix, stabilité et sécurité. Nous-mêmes, dans le Parti politique héritage, nous prenons la presse 2022. Nous devons l'année l'union, la paix pour le pays d'Haïti. 2022, nous devons l'année côté ensemble. Nous devons goûter pour l'autre Haïti. Yon Haïti que nous tous rêvons vivre ensemble, dans le développement et le changement. C'est dans l'idée ça, nous-mêmes, Parti politique héritage, n'a pas rappelé premier ministre pays a puis garde route de travail pour année 2022 ça. Ça qui doit une année électorale. Père Ariel Henry, sécurité, sécurité, sécurité. Pour organiser élection pour année 2022 a. 7 février 2022, mandat défunt président Jovenel t'a bout. Ça t'a cause di pas t'a gain pouvoir encore. Si c'est pas de bilance politique, nous sous 59e président eli pays a. Parti politique héritage mande pressé pressé camper conseil électoral provisoire pour permettre processus élection rivée organisé dans mi-temps année 2022 a sorti sous collectivité a fini sous présidentiel organisation référendum là qui c'est une élection qui permettre nous dire oui oui pour une autre constitution une constitution qui permettre tout petit pays a utile pays a premièrement intégration diaspora dans vie politique pays a deuxièmement intégration jeunesse là dans vie petite politique pays a. Troisièmement, intégration femme dans vie petite politique pays a. Cinquièmement, quatrièmement, intégration paysan yo dans vie politique petite pays a. Cinquièmement, intégration handicap yo dans vie politique pays a. N'a rappelé PM Ariel Henry que mandat 10 sénateurs qui rete yo c'est deuxième lundi mois janvier 2023 la bout parce que pas de retard dans élection tiers sénat ça. N'a fini pendant n'a salé yon l'autre fois peuple haïtien n'a continuer souhaiter nous bon combat 2022 pendant n'a rappelo changer Haïti pas dépendre de l'autre monde que nous-mêmes haïtien qui dans diaspora ou la caille parti politique héritage a force changer Haïti demain dépendre de nous. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, restez branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après prise là, mais reste information. Secrétaire général Union Parents Élèves Progressistes en Haïti, UPEP, Léon Litoulu, fait connaître.
plusieurs écoles publiques en cours privé qui étaient écrasées dans le tremblement de terre 14 août 2021 dans Grand Sud là pour réparer Jean l'État te promette. Réparation d'école sa yo a pas permettre plus de monde reprendre activité scolaire yo dans année 2022 à Jean Satelouy. Il fait connaître tout, c'est pour l'État prend toute disposition pour couper problème insécurité à pour petit monde qui l'école dans zone Matissan Grand Ravine pour ne citer ça seulement capable retourner l'école même Jean à Claude Timoun. Secrétaire général du peuple là Léon Litoulu pour plus de détails dans micro Frédéric Pierre à Kakerine. Réparer toute école publique dans Grand Sud là qui endommagé et faciliter accès à tout élève dans un temps raisonnable dans l'année 2022. Élaborer un plan de reconstruction pour toute école publique qui écrasée et faire respecter normes parasismiques parce que n'est pas possible pour une série l'école FNE fait reconstruire écrasée et endommagée dans le tremblement de terre 14 d'août là. Bat tout parent dans Grand Sud là, une subvention pour qu'a voyer petit yo l'école dans commencement année 2022 là. Prend bon gens décision pressé pour faire l'école publique à privé dans Matissan Fontamara qui ferme porte depuis mardi 1er juin 2021 recommencer fonctionner. Et parallèlement, ministère a dû pencher sous dossier plusieurs dizaines l'école privée ak public dans Belay, La Saline, Matissan, Cité Soleil, Badelma, qui pas qu'à fonctionner à cause de bataille gang dans différentes zones à faire. Président Azek a deuxième section communale à Kadouche en commune Katemourin expliqué distribution de terre qu'a fait dans la commune. Puis loin Jacques Valcou prononcé la sous deuxième lundi janvier. Azek a estimé que c'est parlementaire ça eux-mêmes qui étaient bloqués collectivité yo pas gain rien yo a fait après manger comme pays a l'est arrivé pour yo aller. Puis loin il profiter rappeler premier ministre Ariel Henry lui-même seul pas qu'a diriger pays a pendant les coins à Comontana capoté oui pour toute fois yo utiliser à quoi ça Jacques Valco c'est président Azek Kakadouche qui a bay plus détail dans micro correspondant nous dans nord et autre dada pour Alain TV et conjoncture pas profitable et pour deux raisons et une grande misère qui a pas le terrain et puis une gagne en insécurité qui a ravagé pays de telle sorte. Si on bagaille pour nous ta commencer et attaquer et premier pour mois janvier là 2021 qui ta va c'est la vie côté mon moi grand goût et puis avec insécurité on va dire côté nous directement dans du pays mais la seule chose nous avons l'état qui faible si nous avons l'état qui faible ça l'état lui même dans l'affaire actuellement bien content ou parler avec supposer ça bon tem petit monde petit me lever me joindre même on t'a travaillé dans ça qu'on a mené qui va vouloir faire un magou puis pour le dire c'est BNC menti c'est bourgeois ou cas par exemple Kafou la mort un côté nous goumen pour nous faire exactement pas de bidon ville côté que t'as fait un village qu'on y a autant de aussi à séparer ou pas autant de ces bourgeois de ces boulots tous les processus dans les autres là nous tout des goumen de telle sorte ça veut dire nous pas connait côté pour nous garder de telle sorte tant que vous va dire et ensuite on ne va pas gagner pas le sénateur comme ASEC et dans des sénateurs goumen commandant pour mandat moi même en tant qu'ASEC moi même pas pour exactement rien dit mandat sénateur et pas fini. Et nous sommes à sec, nous élisons ces sénateurs qui bloquent et pour faire élection directe. Quand on a dit qu'on s'est président, pas un président, donc il faut que l'on comme institution. C'est l'argent payé à ça, on a dit qu'on a mangé pour gagner, on n'a pas pris rien, c'est pour tous les sénateurs aller. Pour ça, c'est dans le pays à la force. Et pour avoir dit exactement ce qui est planifié, c'est un accord qui est fait. Il faut qu'on ait un président, il faut qu'on transition. Pour une transition qui vous fait, et tant qu'on a dit qu'il y a un accord qui est fait, tant qu'on a comme on a et seulement Ariel Henry seulement pour diriger le pays. C'est une transition normalement inclusive, exactement plus de ma vie.
Directeur départemental de PNH Sidlan, Alain Jolicoeur, fait connaître l'année 2021 pas de facile du tout à cause de divers problèmes en protestation. Mais ça n'a pas empêché la police d'être remplie mes soldes. DDS PNH Sidlan dit qu'il est satisfait pour façon fait fin d'année passée dans la juridiction ça qui a ouais à sécurité la police est mobilisée pour faire échec à plein bandits. Plus détails toujours dans le micro correspondant nous, merci Richemont Joseph pour YLN TV. L'année 2021 n'est pas une année facile, c'est une année de turbulence politique qui est marquée par des grands événements politiques que tout le monde connaît et des grandes manifestations, des manifestations violentes même. Et certaines fois que la police n'a pas eu le choix de disperser les foules là et pour empêcher que le pire. Donc, dans la fin d'année, l'objectif là c'était de permettre que la population ait vraiment passé une bonne fête de finale. À ce propos, la direction de Bantal là, faire une réunion de commandement, qui était la première réunion de commandement que j'ai fait après que j'ai fini d'installer comme directeur départemental. Quand j'ai demandé à tous les responsables de juridiction pour qu'ils soient capables de motiver les policiers, sensibiliser les policiers et parler avec la population et chercher des informations pour si tu as des bandits qui sont sortis ailleurs et qui sont venus dans la commune, dans la juridiction. Et soit pour faire des ordres, ou bien soit pour venir cacher, ou bien pour une raison quelconque. Donc, dans ce sens-là, après la réunion, le 24 décembre, on fait un syndic. Et Michel, lui-même, c'était un évadé de prison, qui était dans la prison civile de Cal. Michel était sauvé au moment de l'entrée là. Et en dépit de tout effort que Udmoa et tous les policiers dans le commissariat des cas qui ont déployé, pour que nous avons prêté assistance à la prison civile. Là. Et en dépit de tout effort, il y a eu une quantité d'individus qui arrivent sur nous. Donc parmi là-dedans, il y a 5 qui nous prennent et puis nous prenons par la suite. Nous venons pour un Kato. Pour un Kato, il a vache. Kato lui-même, il a reconstitué ou bien formé un gang dans le sous-iléa qui a pas de problème. Il y a des gens dans la communauté, il a vache qui est venu dans la direction, qui a posé problème de Kato, qui a pas de problème, etc. Donc, le responsable du commissariat de il a vache, monsieur de faire ça, lui faire. Avec même moi et quelqu'un, lui-même avec un autre policier, il est arrivé après un décat. Donc actuellement, il y a deux personnes qui étaient évadées dans la prison et civile. Au cas, ils ont retourné dans ces lieux et ils ont continué à purger. Parallèlement à ça, et la police a augmenté la présence de manière significative dans la ville. Surtout la veille de Noël et la veille de Noël. 24 décembre, la police est présente dans beaucoup d'artères. Et la police a eu l'instruction pour faire checkpoint, pour faire contrôle, pour empêcher que les individus armés à circuler le gâté fait là. Et nous avons remarqué qu'il y a des commerces qui étaient ouverts très tard sur le marché, qui ont fait service, et que pas de rien de drôle qui était passé. Donc c'est une bonne chose. Et donc nous voulons profiter. Moment ça tout pour nous encourager les policiers pour qu'ils soient capables d'œuvrer encore plus pour garantir de manière effective la sécurité de la population. 31 décembre, c'est pareil. Check pour ne peut pas tout, etc. etc. Bon, heureusement, fête de l'année passée sans nous pas enregistrer et des blessés, même pas en blanche, pas des blessés, pas des morts. Et seulement il y a des cas d'accident. Donc, cas d'accident, c'est des cas que nous regrettons. 34 décembre, il y a plus cas d'accident. Et pour 31 décembre, nous avons mis l'accent sur ça. Nous demandons aux policiers de nous targeter surtout. Et les gens qui sont en motocyclette ne sont pas bons pour conduire. Donc, ça a été fait. Nous avons vu que 31 décembre,
te gon baisse drastique, par rapport à quantité accident qui nous enregistré par rapport à 24 décembre. Directeur exécutif réseau CID pour défense à droit monde RSDDH, Lionel Mutil, dressé un tableau triste sur la situation pays d'Haïti pour l'année 2021. M. Lionel Mutil fait connaître pendant l'année qui s'est passée à l'autorité concernée n'a pas fait rien pour améliorer les conditions de la vie de la population par qu'en freine les actes bandits. Militant droit monde, il n'a pas espéré aucun changement pour l'année 2022. M. Lionel Mutil, pour plus de détails, dans mes co-correspondants, pendant nous nacide Richmond Joseph pour identifier. L'année 2021, tout passé là, c'est une année très terrible, c'est une année de violence, il y a une année côté que la question des droits humains et c'est systématiquement que la violée à travers le pays en général. Et pour beaucoup de gens là, à travers le département du Sud, et c'est toujours le même portrait, c'est toujours le même portrait. Et aux jeunes aujourd'hui assez gang cap dirigé et gang cap dirigé aux jeunes l'état qui pas représenté en rien, ça c'est l'état son l'état qui indéfini, un l'état qui pas responsabilité, on l'état tout qui remet mal être là bas les gangsters et les vampires, et son l'état qui remet mal être là bas by de gang armé qui a tué monde toute la journée, l'équipe du peuple, et que je dis à l'année 2021, pas pour te fouiller poté, c'est ça le poté, c'est la mort, parce que c'est la mort, c'est le deuil qui chaque monde qui vit dans la société a. Et il faut que nous disions que 2021 et la vie est très difficile avec la cherté de la vie, et que vin pas bon ici dans le sud, vin gagne un tremblement de terre, même qui vin plus agiter question la vie dans la société, nous m'a dit que 2021 et nous existons comme monde, mais nous pas ta vivre, et 2022 a, et nous pas quoi moi espoir. Pourquoi j'ai moi espoir? C'est 2021 et nous passer 2021 et presque sans président, parce que et des malfaiteurs, des monde qui peut-être pas qui peut-être et comprendre que c'est violence qui c'est ce couillon, ils ont éliminé un président et détruit un président et maspiné un président. Et nous m'avons dit tout que yo déraciné, masculiné le peuple haïtien. Pour finir, les amis téléspectateurs, dans le cadre d'une visite à LN TV dans la localité Châtelas, dans la deuxième section CEMAC, Joseph Aveniel, travailleur social, qui vit dans la localité, souhaitait l'État venir mettre des services basiques dans la localité, qui a aidé les zones à développer. Travailleur social, là, Joseph Aveniel, télémicro correspondant nous, dans la Tibonite, Daniel. Mon nom c'est Joseph Veniel, je suis travailleur social qui vit dans la communauté, malgré mes études, je choisis de vivre dans une zone où je serve la population. Je suis mesure qui me. Ça faut tourner la caille. Mon cher, ce n'est pas parce que vous vivez la ville qui fait que vous monde, mais c'est façon, c'est mode de vie au réveil. Je ne veux pas dire que les gens qui quittent la zone où vivre la ville, et pourtant, zone ça aussi là, de monde qui vivre plus de temps là-dedans. Pour regarder tout malgré nous des personnages dans zone gain l'âge très avancé, moi là dedans puis faut là dedans des photos me côtoyer me pas savoir non mais parce que mon âge me lever me vivre 90 ans. Si pour me vivre 90 ans, moi obligé chercher monde qui vivent l'âge là pour me connaître comme si ça au possible en termes de capacité, et puis moi pour me vivre manière de vivre pour l'âge. Bon, un monde qui malade dans zone ça et puis qui problème tranchement tout, situation ça livre vraiment terrible. Des fois c'est sous branca du poteau pour descendre avec une chaden sur une machine vienne prendre mon situation là vraiment catastrophique. Je pense que c'était une dame tout, je ne sais pas si ça passe exactement date là, qui était un problème dans la zone là, qui était gros ventre, ça les protestants, c'est un cheval de dépôt, les rivets, ils m'ont donné même mourir même, parce que la situation est vraiment grave.
Je veux dire, là, tout d'abord, nous avons l'école nationale qui est dans la zone là, dans un mauvais état. Nous constatons également que cette santé dans la zone là, ce n'est pas chaque jour que nous venons travailler là-dedans. Qui est-ce que fait? 1, 2, 3, 4. Mon cher, question de l'école nationale là, parce que l'école, c'est une possibilité pour des changements dans la société. Mais le regard de l'école, la façon, l'école là, c'est comme ce que tu as dit, qui est-ce que tu as fait comme savoir? Parce que je ne sais pas qui espace où fréquente, espace où évolue, il fait effet sur mentalité. Autant que je suis dans le côté où apprendre plus bien, laisse à tout favoriser le savoir plus ou moins élargi. Qu'est-ce que santé encore, nous seulement quand tu dispenses dans la zone qui va être un soin préliminaire? Parce que il y a des systèmes où il y a des distances pour t'arriver, c'est dans le dispensaire pour aller, la bête à mourir. Mais pour autant, regardez dans les pays évolués, par exemple, la France, Canada, section zone reculée, il y a des soins nécessaires. Des situations où on a vu des problèmes de gain. Là, je n'ai pas soin favorisé. Il n'y a pas quitter son entour pour aller à la ville, pour aller risquer non c'est de l'autre communauté. Même si on voit exemple, jeune YouTube dégringolé, pas abandonné, pas paquet, à livrer tête, malgré que la fin de l'étude classique, qui fait l'université, il est obligé de quitter le pays pour aller dans notre pays, à qui ça? Des fois, c'est à le faire, on sait des bails blancs, même pas choisi faire lui-même. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi. Mais avant, nous allons quitter et nous rappelons tout le campagne. Des journalistes haïtiens médias en ligne ont perdu la vie. Il y a un abou 12 qui c'est Wilgens Lucien avec Amadi John Wesley qui travaille pour Radio Écoute FM. Il y a un média en ligne qui est basé dans Montréal à jeudi 6 janvier 2022. Boulmanville, il y a un troisième journaliste qui t'a accompagné, Olivier Chappé pour lui avec aide Rivien. La police n'a tête collée à Rich Depay, Rivien récupéré comme journaliste dans un MINSAB jeudi vendredi 7 janvier à Bodizé. Cabinet Level François réagit sous tiré sa Sénat qui était dans le Parlement et demandé pour le regrouper. Et puis Chita ensemble avec le président de la Cour cassation pour joindre une solution pour empêcher le pays à tomber dans le gousin Captain 7 février 2022. Cap vini là, si vous pas fait ça, peuple haïtien pour vivre une situation que j'aime vivre dans la ville. La police nationale d'Haïti rend hommage à 119 policiers qui mourent ou bien qui disparaissent dans le cadre d'exercice de fonction dans la dernière année. Ça a eu jeudi 6 janvier 2022 à côté directeur général PNH, Franz LB. Premier ministre Ariel Henry, parent, a un proche policier ça a honoré mémoire, même qui tombait en bas balbandi pendant le temps pour protéger et servir la population. Il n'y a pas un élève progressiste en Haïti, il peut pas faire connaître plusieurs écoles publiques en cours privé qui étaient écrasé dans l'entraînement de 14 d'août 2021 dans le grand site là pour réparer, j'en l'état te promet l'IA et puis demander pour l'état prendre toute disposition pour couper problème insécurité à tout le monde qui l'école dans la zone Matissan, Grand Ravine pour nous citer ça seulement, capable de retourner à l'école même gens à l'autre petit monde. C'est ensemble pour ça qu'il y a un peu de l'autre qui t'est développé, nous t'es branché télévision à l'NTV pour la programmation. Bon vendredi et bon week-end tout le monde.